Non, mais je vous avais dit, aujourd'hui, c'est du lourd, d'accord? Aujourd'hui, on est full dans la discrimination, l'analyse, le fanatisme et tout. Et on revient sur Annie Cordy, parce que je vous avais dit, j'avais fait une première vidéo sur le tunnel qui s'appellerait Annie Cordy, en Belgique, qui fait beaucoup rire à l'étranger, mais pas seulement, hein, qui a fait énormément de débats. Et je suis tombé sur un article hyper intéressant, parce qu'aujourd'hui, vous savez, raciste est devenu une insulte. C'est devenu quelque chose que l'on prend extrêmement mal, alors que parfois, eh bien, justement, raciste, ça signifie quelque chose, c'est pas juste une étiquette, bien sûr, et surtout quand on parle du passé, d'un passé raciste, la signification de raciste pour, par exemple, Léopold II n'est pas la même qu'un raciste actuellement aujourd'hui, d'accord? Par exemple, alors qu'à l'époque, le racisme était quelque chose de hyper courant et hyper débridé, aujourd'hui, le racisme est plutôt induit. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit comme une insulte. C'est parce qu'en fait, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont racistes, mais de manière inconsciente. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont voir quelqu'un de couleur et ils vont avoir des a priori sur lui, mais sans se le dire, en fait, sans en avoir conscience. C'est que voilà, il va peut-être faire un peu plus attention, être un peu plus sur ses gardes, parce qu'il va voir quelqu'un, j'invente, mais par exemple quelqu'un de noir, et puis il va regarder comme ça, alors qu'en fait, de base, lui, il a plein de potes de couleur, quoi. Il s'en fout. Mais c'est juste que dans sa tête, son subconscient, en quelque sorte, son inconscient, est raciste. Bref. Lettre à Annie Cordy, raciste n'est pas une insulte, c'est une analyse sociopolitique. Et je trouvais cette carte blanche très intéressante et je vous invite à l'écouter avec moi. Le tunnel Léopold II devient le tunnel Annie Cordy et je reçois des messages de menaces parce que moi, une femme noire, belgo-congolaise, j'ai osé dire que votre chanson, Chaud Cacao, est raciste. Chère Annie, ils ont cru que j'insultais votre œuvre alors que je ne faisais qu'exercer mon métier d'analyste. Et ça, c'est aussi très important aussi de faire la différence. Par exemple, un historien, voilà, c'est un historien va dire que Léopold II est raciste, il était raciste, mais je pense qu'à l'époque, on ne disait pas qu'il était raciste, d'accord? Mais ça ne change rien sur le fait qu'il était raciste. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, bref. Dire que la chanson que vous avez interprétée est raciste ne fait pas de vous une personne méchante, ni raciste d'ailleurs. Peut-être avez-vous involontairement ou inconsciemment suivi la mode du dénigrement des Noirs. Peu importe votre intention, votre bonne foi, votre talent et votre gentillesse légendaire, la chanson Chaud Cacao a contribué à renforcer des stéréotypes sur les Noirs. Il ne s'agit pas de réduire votre œuvre monumentale à cette seule chanson, mais d'en faire une brève analyse. Et je trouve que déjà ce paragraphe-là, je trouve qu'il est plutôt gentillet. Vous voyez, je veux dire, elle n'est pas dans l'agressivité, elle n'est pas dans la méchanceté, elle dit juste, en fait, voilà, elle prend beaucoup finalement de précautions, et c'est assez appréciable. Les images, depuis quand le blackface n'est pas raciste? Dans le clip de la chanson, les lèvres en gros plan sont exagérément charnues et rougies, tout comme dans la représentation de Père Fouettard. Les acteurs sont coiffés à la... Pardon, à l'africaine, ils portent des collants noirs et des cheveux tressés et bouclés, arborant ainsi un blackface intégral. Peut-être l'ignorez-vous, mais la blackface a été inventée au temps de l'esclavage. Il permettait aux acteurs blancs de se moquer des noirs en leur donnant des caractéristiques stéréotypées, voleurs, niais, ayant le rythme dans la peau, etc. La vérité tue lassée, c'est que les blancs ne savent pas danser, comme disait un grand homme. Oh la rêve. Oh la rêve, mon Dieu. Le blackface est un racisme par mépris, par moquerie. Sous la forme du divertissement, le racisme n'est pas facile à reconnaître pour l'œil non averti, pour les esprits profanes. Et c'est pas, et ça, par exemple, je ne vois pas quelque chose de forcément négatif. On ne peut pas être alerte sur tout, on ne peut pas tout savoir. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé d'être, par exemple, discriminant. Quand j'étais, par exemple, plus jeune, je me souviens, il y a un jour, j'ai frappé, je me suis moqué d'une religion. La religion catholique, en l'occurrence, elle avait fait une blague sur la religion catholique et devant des catholiques qui l'avaient hyper mal pris. Et avec le recul, je me disais, mais oui, c'est normal, enfin, c'était pas respectueux ce que je disais, parce que bah, effectivement, c'était de la discrimination, en fait. Du coup, ils l'ont pris comme ça. Pour moi, c'était une simple blague. Mais pour eux, enfin voilà, c'était insultant. Et donc, du coup, c'est normal de faire aussi, de faire attention et de ne pas toujours avoir conscience de ça.
Les personnes qui m'envoient des messages de menaces ne savent pas que le blackface est raciste et n'ont clairement pas les clés pour analyser une œuvre sous l'angle du respect des droits humains. D'ailleurs, quand et comment aurait-il pu acquérir les éléments de base à une analyse antiraciste ? En subissant le racisme ? En suivant une formation spécifique sur le sujet ? Dans le même ordre d'idées, il leur sera tout aussi difficile de percevoir ce qui pose problème dans le fait que vous ayez choisi un rythme musical antillais. Pourtant, c'est du racisme par appropriation culturelle, car il s'agit de commercialiser la culture des dominés économiques et politiques pour prolonger leur exploitation. Autrement dit, après l'oppression de leur corps dans les champs de coton par exemple, on s'approprie leur richesse culturelle et intellectuelle sur le terrain du divertissement et de l'art. Alors, là, c'est un sujet hyper intéressant et un débat hyper intéressant. Parce que l'ouverture, c'est aussi évidemment s'ouvrir sur les différentes cultures. Et aujourd'hui, par exemple, je ne pense pas que l'on voit le Japon comme des dominés. Et pourtant, il y en a énormément qui s'inspirent de l'art japonais, notamment dans les mangas, pour pouvoir écrire des choses. Maintenant, je suppose que, voilà, elle est plus experte que moi sur ce sujet-là. Et je suppose que si elle en parle, elle sait de quoi elle parle. Et de toute façon, le débat est intéressant. Parce qu'il fut tout un temps où, effectivement, on n'était pas ouvert pour le plaisir d'être ouvert. Je vous rappelle que l'humanisme, c'est quand même, il me semble, le 18e siècle, 17-18e siècle. Donc, avant ça, par exemple, l'humanisme, vous foutez là où je le pense, vous voyez. il n'y avait rien. Il n'y avait pas rien. Mais en tout cas, ça n'existait pas sous cette forme-là, et l'ouverture n'était clairement pas la même qu'aujourd'hui. Donc il faut aussi avoir le recul aussi, ce recul-là, et pas juste dire « Mais non, c'est juste qu'ils étaient ouverts. » Alors que parfois, ben oui, effectivement, ils étaient racistes, mais c'est juste qu'à l'époque, on prenait pas ça comme du racisme. Mais c'est pas parce que c'était pas pris comme du racisme à l'époque que pour autant, ce n'est pas du racisme. Vous voyez, c'est un peu comme le viol aujourd'hui. Ce n'est pas parce que, j'invente, mais au Moyen-Âge, il était autorisé pour un homme de violer sa femme, que pour autant, le viol... que pour autant, ils n'ont pas violé leur femme à l'époque. Madame Cordy, vous portiez une tasse sur la tête, ce qui renvoie à une pratique de portage ancestrale des femmes africaines. Pourquoi a-t-on tant besoin d'imiter l'accent, les attitudes ou les costumes des personnes d'origine africaine ? Quel type de valorisation cette moquerie apporte-t-elle aux Blancs ? De même, les enfants dansant à vos côtés portent des fouloirs noués. Il faut se rappeler que cet accoutrement signifie voulant calmer les ardeurs sexuelles de leurs maris esclavagistes, puis colons. Dans certains pays tels que la France, les femmes blanches ont exigé des lois Tignon. Et ça, les femmes esclaves, puis les colonisés, avaient l'obligation intersectionnelle, à la fois raciste et misogyne, de se couvrir les cheveux avec un tissu. Voulant contrecarrer cette injonction somptuaire de sobriété, elles choisirent des foulards fièrement multicolores et inventèrent l'art de les nouer. Singer cet accoutrement revient à se moquer de leur stratégie de résistance et de résilience. Je suis héritière de cette résistance, chère Annie, et aujourd'hui encore, je porte cet étendard coloré. Mais je sais que la souffrance de me voir ainsi humiliée ne mettra jamais en cause le besoin qu'ont certains d'idolâtrer cette chanson qui leur rappelle leur joyeuse jeunesse. Et du coup, là, c'est aussi hyper intéressant, c'est que nous, on a toujours un certain recul. On vit à une époque qui n'est pas la précédente, et donc forcément... On le voit avec notre regard d'aujourd'hui, et peut-être qu'aujourd'hui, ça peut nous paraître lointain, et on se dit, à l'époque, c'était comme ça, mais on a tendance à oublier qu'on ne vit pas à l'époque, et que du coup, on ne sait pas si c'était vraiment comme ça, on ne sait pas si à l'époque, déjà, il n'y avait pas des gens qui disaient déjà, mais what the fuck, parce que vous savez, même pendant l'esclavagisme, je vous parle au Moyen-Âge, il y avait déjà des personnes qui étaient contre l'esclavagisme, il y avait des personnes religieuses qui étaient contre l'esclavagisme en disant que Dieu n'avait pas créé l'homme pour exploiter d'autres hommes. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Le texte. Pourquoi ne percevons-nous pas le racisme tacite ? Tout d'abord, le titre « Chaud cacao » contribue à forger le fantasme occidental d'une Afrique où des Noirs sont d'éternels les sauvages. Sont d'éternels sauvages, pardon, vivant de troc et n'étant jamais entrés dans l'histoire. Sarkozy 2007, oh putain ! Ah, le bon Nicolas qui nous revient tout le temps, décidément, il est toujours là quelque part. Un contexte archaïque où les Noirs n'ont pas su se séparer du règne animal, où on trouverait, comme l'explique cette chanson dont vous n'êtes que l'interprète, des serpents rampants du soir au matin dans tous les recoins, la récurrence de ce type de chanson est un racisme par martelage d'un stéréotype. La peau noire, quant à elle, a souvent été associée au chocolat, c'est du racisme par objectivation ou par fétichisation.
Vous souvenez-vous que c'est grâce au Congo et à l'Afrique que le chocolat belge a fait rayonner le label Belgique ? En coulisses, le cacao et le sucre sont des produits pour lesquels mes ancêtres ont été et sont encore fouettés. Enfin, le texte de la chanson est écrit en petit nègre pour souligner... Pour souligner la stéréotype selon lequel les Noirs sont incapables de s'exprimer correctement. Et encore une fois, c'est hyper intéressant parce que on peut pas... En fait, moi, je vois beaucoup de gens qui sont choqués et un peu, voilà, qui sont un peu sur les nerfs quand on parle de racisme et qui trouvent qu'on parle de racisme à tout va, ce qui est parfois un peu vrai, certes, et que, bien sûr, il y a des personnes malhonnêtes, hein, y en a dans toutes les populations, c'est humain, malheureusement, qui vont utiliser le racisme à leur compte en disant « Ah non, je dois pas aller en prison, même si j'ai tué 500 personnes, parce qu'en fait, vous êtes raciste !» Bien sûr. Mais... si on part aussi, enfin, le fait de se poser la question et de savoir, parce que ce racisme par objectivation et par fétichisation sont des réels racismes, ça existe, c'est des choses qui ont été étudiées et perçues, enfin, je veux dire, qui ont été, qui existent réellement, quoi. Le fait de le savoir, c'est pas pour dire, ah, vous êtes de méchants racistes. Quand on dit en fait raciste, voilà, en fait, je crois que c'est même ça qu'elle va dire, c'est être raciste, ça veut pas dire que vous êtes un monstre méchant qui veut juste exterminer la population d'une certaine couleur ou quoi. Non, être raciste, c'est parfois se rendre compte qu'effectivement, on a des stéréotypes. Mais c'est comme la discrimination, quoi. C'est comme, à un moment donné, moi, je me souviens, quand on était petit, on nous disait « Ah, mais tu sais, les gens à lunettes, c'est pas forcément des gens intelligents. » Bah non, en fait, effectivement. C'est de la discrimination. Et bon, bah, quand on vous a dit bah, « Vous savez, faut faire attention que quelqu'un à lunettes, ça veut pas forcément dire qu'il est intelligent. » ça veut pas forcément dire qu'il est coincé, etc. Bah, après, vous êtes dit, ah bah ok, je retiens, quand je vois quelqu'un à lunettes, ça peut être aussi ça peut être quelqu'un de balèze et tout, et bon, bah aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a moins... c'était peut-être propre à ma famille, j'en sais rien, mais... mais je crois que vous comprenez, j'espère que vous comprenez le fond de ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir des gens qui disent, bah ça, pour moi, c'est raciste, c'est toujours une remise en question pour moi qui est intéressante de se demander effectivement est-ce que là je suis allé trop loin ou bien est-ce qu'au contraire il y a de réels arguments autres qui expliquent tout cela. L'artiste, l'inintention ou l'inconscience d'avoir fait une œuvre raciste en efface-t-elle les effets ? Chère Annie, aviez-vous l'intention de faire une chanson raciste ? Certainement pas. Mais même avec les meilleures intentions du monde, cette chanson a contribué à renforcer les stéréotypes sur les Noirs en général et les Antillais en particulier. Alors en quoi l'analyse basée sur la recherche en psychologie sociale, révélant le caractère raciste de cette chanson, remet-elle en cause toute votre carrière ? Analyser une seule de vos œuvres n'enlève rien à votre courage et à votre longévité artistique. En tant que Belge, j'accepte la complexité de mon héritage et de mon identité culturelle, mais je refuse que l'on continue à se mentir. Analyser n'est pas effacer ni dénigrer, c'est essayer de comprendre, et c'est ce qu'on a fait tout au long de la journée d'ailleurs, hein. J'espère que vous avez tenu jusqu'ici. De même que reconnaître le caractère raciste de cette chanson devrait nous permettre de faire preuve d'un minimum de maturité, de bon sens et de décence face à des populations africaines qui ont été exploitées pour le plaisir d'avoir du bon chocolat chaud au petit déjeuner. Quoi qu'il en soit, la misogynie et le classicisme qui consistent à dire que vous n'êtes pas valable parce que populaire, meneuse de revue, ne sont pas des arguments pertinents. Le plus important à mes yeux est le changement de paradigme amorcé par la secrétaire d'État à l'égalité des chances, Nawal Ben Amou. Il y a à peine un an, il était inconcevable de remettre en question l'omniprésence de Léopold II dans l'espace public. Aujourd'hui, personne ne semble le déplorer. Votre nom pour renommer le tunnel Léopold II est le fruit d'un vote populaire. Nous apprécions ce processus. La féminisation urbanistique est en marche. Une nouvelle classe politique ose féminiser nos toponymies. Nous félicitons son courage. Et ça, c'est trop bien, vous voyez ? Elle est juste en mode, en fait, la chanson est raciste, mais c'est pas un argument pour ne pas donner son nom à un tunnel. Et moi, personnellement, j'avoue que j'étais un peu contre, parce que je trouvais ça un peu ridicule, etc. Surtout que, voilà, j'étais pas encore au courant de tous ces scandales et tout. Mais au final, ici, je trouve que c'est déjà une réflexion beaucoup plus intéressante. Ok, elle a fait une chanson raciste, mais c'était pas de sa volonté, ce n'était pas forcément... ça ne reflète pas forcément toute sa carrière. On peut parler peut-être d'une erreur, on peut parler peut-être de... Enfin, ce que vous voulez. Je crois que c'est... Enfin, voilà, c'est justement un autre débat, et c'est ça qu'elle dit, par rapport au tunnel, qui, lui, c'est chouette qu'il s'appelle comme ça, et elle a fait plein d'autres chansons, et qui ne sont pas racistes. Donc, qu'on arrête avec ça, finalement. Oui, Chaud Cacao est raciste, mais ça n'empêche pas qu'on puisse quand même donner le nom de ce tunnel à Annie Cordy, parce qu'au final,
c'était pas son point de vue finalement, ce n'était pas la personne qu'elle représentait. Avant de vous laisser à votre repos, chère Annie, j'aimerais conclure par un questionnement. Les Belges ne sont-ils pas les plus braves de tous les peuples de la Gaule? Alors pourquoi feraient-ils preuve de fragilité blanche en ayant peur d'une franche analyse antiraciste? Oh poh! Ouf! Ouf! Ah, ça fait mal ça. Ouf! Ah, moi je suis fragile. Ah non, et ça c'est un, je crois que c'est un petit coup de poing aux personnes qui la critiquent, hein, qui la critiquent, parce que le concept de fragilité blanche, hein, est un concept... Donc il explique ici, hein, la fragilité blanche est la hantise et les vives émotions, voire les passages à la violence de certaines personnes lorsqu'un ou une noire leur parle de racisme. Et je trouve que ça, comme dernière phrase, c'est la petite pique. On sent que c'est la petite vengeance, hein, de tous les messages de haine qu'elle a reçus. C'est « Bon, je suis ultra constructive, mais quand même, je vais quand même mettre une petite phrase là, paf !» qui va vous mettre un petit point dans la gueule là à tous ceux qui m'ont insulté parce que vous m'avez bien saoulé. Bref, n'hésitez pas à commenter en donnant votre opinion, évidemment. N'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Ce sera pas aujourd'hui, mais ce sera bientôt. Voilà, merci à vous, puis la bise.